balle de pochetard, ramène tes potes et mon gars faudra possible. Libérer les refrais au star, c'est la seule méthode, j'sais pas si t'as capiche. A chaque plat faut mettre sa capuche, mélange le bon bec et prends ta bonne piche. Sa village, donc il a caché sa puce, putain, 16h du mat, c'était la perquise. Dans la sacoche, la bouteille de frise, on était toujours dans la frise. T'as toujours couleur. Bien, salut tout le monde, c'est Squalo, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube pour encore une troisième vidéo pour vous montrer un mode menu. Donc là on est le lendemain de mon ancienne vidéo pour avoir un mode menu car l'ancienne technique n'avait pas marché. Si vous voulez un mode menu, il y a le OAM dans la description et sinon là c'est tout simplement le Raptor. Donc pour cette vidéo, un maximum de likes comme d'habitude, 50 likes pour un prochain mode menu. Et d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner, on a grandi la communauté de plus en plus et le Discord en description. Bref, on va pas parler pendant trop longtemps, on va passer au vif du sujet. Donc déjà il y aura un lien dans la description, une fois que vous serez dessus, vous devrez remplir les étapes comme moi dans la vidéo. Donc pour commencer, vous devez ajouter une extension à Chrome, vous cliquez dessus. Donc moi je l'ai déjà, donc je vais supprimer et je rajoute à Chrome simplement. Une fois que cela est fait, vous devrez cliquer ici. Donc là, en appuyant sur la croix, vous pouvez voir combien de secondes il reste, vous devrez rester 8 secondes. Donc là, une fois que c'est fini, on ferme tout simplement. Et là, on doit lire une vidéo. Donc vous coupez le son. Elle dure 1 minute 19, c'est tout le temps la même. D'ailleurs, je vous dis juste avant de tout faire, lancez le jeu. Donc moi, je suis en train de le lancer actuellement. Chargement en cours. Voilà, vous le lancez, il faut bien lancer avant. De toute façon, c'est la même technique que l'ancien mode menu. C'est juste que c'est pas le même mode menu. Et voilà. Une fois que la vidéo est tout simplement terminée, vous ne faites pas continuer, tout simplement, vous faites juste la pro. Là, vous allez faire continue. Donc une fois que vous aurez fait continuer, vous devrez attendre à peu près 10 secondes. Donc là, vous faites direct access to Raptor. Et là, normalement, vous allez atterrir sur le lien Mega. Donc si vous atterrissez pas sur le lien Mega, en fait, c'est soit vous atterrissez sur le lien Mega, soit ça vous télécharge ça, mais ça change rien. Je vais vous expliquer comment avoir le fichier WinRAR. Donc là, ça, vous mettez sur le bureau. Là, on peut tout simplement fermer. Donc là, vous faites double clic. Là, il y aura les droits d'administration, simplement. Donc là, vous confirmez en mettant votre mot de passe ou en faisant oui, ça dépend. Donc là, ça va charger. Donc là, vous faites next. Là, vous devrez faire décline. Normalement, ça va télécharger le mode menu. Donc on se retrouve juste après. Donc là, tout simplement, une fois que c'est installé, vous devrez faire finish. Là, vous devrez faire décline. Et là, vous faites open. Donc là, tout simplement, ça va vous ouvrir le dossier. Voilà, donc il est là. Vous le glissez tout simplement sur le bureau. Là, on va double-cliquer dessus. On va extraire le dossier ici. Enfin, en gros, on va le glisser. Ça, on peut fermer. Ça, on met ça de côté. Et là, tout simplement, c'est comme l'autre. Il y a Xeno64 et DLL. Enfin, et le mode menu, en gros. Donc là, vous allez vous rendre tout simplement en mode online. Donc, pareil, session publique, on évite. On met session sur invitation ou session solo. Moi, je vais faire session solo. Donc là, on est bien arrivé en mode online. Donc, tout simplement, vous allez retourner sur votre bureau. Et là, vous allez ouvrir le fichier Xenos64. Donc on va double-cliquer dessus et on va l'ouvrir. Une fois qu'il est ouvert, simplement, vous allez tout simplement aller dans Process et choisir GTA5.exe. Donc il est tout simplement là. Là, c'est pareil, vous faites le dossier Raptor. En gros, le mode menu, vous prenez, vous le glissez dans le carré plein, simplement vous faites inject et là une fois que c'est marqué indle, simplement c'est qu'il est injecté. Donc là une fois qu'on retourne sur le jeu, tout simplement on va avoir un message comme ça. Là vous mettez la touche F8 et là voilà, donc là le mode menu il se lance. Donc pareil, vous pouvez tout simplement vous mettre de l'argent. Donc pour l'argent, vous faites self option, vous faites player list, vous cliquez sur vous, vous faites drop, money drop. Là ça fait que 2500 par 2500, mais tout simplement on peut mettre 10 000. Donc vous faites retour et vous faites money paid drop. En fait ça va être des personnages qui tombent, tout simplement ça va être des personnages qui tombent, et quand vous allez les ramasser ça va faire 10 000. Et par contre pour les autres ça fera que 2 000, je sais pas pourquoi, mais en tout cas pour vous ça fait 10 000.
coup, moi je vous laisse pour cette vidéo. Le mode menu est en description. Si cette vidéo vous a plu, 50 likes. Et pour un prochain mode menu, pareil, 50 likes. Le Discord est en description aussi. C'était Scola. Allez, ciao.